Yon lot fwa go bonjou bonsoi tout moun, mersi pou fidelite nou avek ekip Bombard Media nan la, depi Bombard Police. Se yon plezi pou nou rejwen nou pou yon lot video. Jodi an nou pral invite ou koute prezident republik la, Jovenel Moïse, ki anonse travay ka fet pou organize eleksyon nan peyi ya. Men anvan nou fe sa, ekip Bombard Media nan la vle remersye tout moun ki toujou branche Bombard Media nan pou informasyon peyi ya. E yon go remersi man ave sa, ou toujou ki ton komantèr pou nou, pozitif ou bien negatif. Ici nan Bombard Police, ekip Bombard Media nan la nou apresye sa. Et si c'est premier fois visiter nous information nous partager intéressé ou pas oublier abonner avec Bombard Media Now et puis ouvrir chaîne notification ça permet de vous faire partie équipe notification Bombard Media Now là et bien on va perdre du temps n'a déroulé avec information yo en nous président République la Jovenel Moïse annoncé cabinet li a travaille sur organisation élection dans pays chef l'état a rappelé élection c'est seule route qui doit permettre renouvellement personnel politique dans pays Abdonel Doudou a professeur Oni de Roche dit yo engagé pour sensibiliser acteurs politiques yo sous réforme parlement haïtien ici en Haïti. D'après professeur Oni de Roche, mandat président Jovenel Moïse là ak l'autre élu doit respecter pendant li encourager exécutif là pour commencer travail sur organisation élection dans tout pays ya. Ces informations ça nous porter pour nous pas perdre temps, n'a commencé coulier. Profitez de nous dans occasion fête drapeau ça. Yon seule façon pour gagner pouvoir, c'est peuple-là pour baroule. Et seul côté peuple-là d'où, que la bonne pouvoir. Un grand côté. Dans l'élection. On connaît, dans le coronavirus, dans le travail, on connaît que le cabinet m'écrit le conseil électoral là, depuis 3 semaines. Et on connaît une équipe qui travaille. Parce que l'élection, c'est seul chemin qui gagne pour le peuple-là pour pouvoir. Ça, mais te dis nous déjà, farine non, pas vin dans même sac là. Et dis aujourd'hui, on marche, on fait campagne, on parle parole vérité, on dit peuple là, mais ça on veut pour lui. On explique comment on va le faire. Et puis après ça, il vote ou, on vient diriger. Et puis on fait ce qu'on dit, on va le faire. Campagne plaidoyer que aussi l'Observatoire citoyen pour l'institutionnalisation de la démocratie a lancé aujourd'hui dans la conférence de presse, c'est une campagne pour changer visage parlement. Parce que le parlement joue un rôle central dans tout ça qui concerne définir politique publique et suivre qui gens vont mettre en œuvre les politiques publiques. Si nous oublions l'importance du parlement, maintenant, pandémie COVID-19 va nous rappeler nous que la population est très fragile, très vulnérable, parce que la politique publique nous a appliqué jusque-là, c'est des politiques publiques qui peuvent favoriser que nous assurer les services sociaux de base à tout le monde dans la population. C'est des politiques publiques qui peuvent faciliter que nous renforcer le système sanitaire nous. C'est ça que fait nous, ouais, déjà à moins de 1000 cas. Nous commençons à dire que le système sanitaire est presque essoufflé. Cela dit, campagne ça, il envisage un parlement qui est capable de répondre à défi qu'attendons après COVID-19. Qui gens pour nous vivre un parlement ça, force un parlement qui est capable ouvert, qui est capable transparent, qui est capable responsable. Aussi déjà engagé depuis 2016, dans suivre le parlement, et encourager des réformes au niveau du parlement, et particulièrement de janvier à mars 2021, aussi engagé dans une campagne qui visait à collecter l'idée auprès de l'acteur de la société civile là, dans le parti politique, dans la société d'une manière générale, pour mettre au point un ensemble de recommandations pour réforme parlement. Aussi inspiré aussi d'un document extrêmement important, ces déclarations pour l'ouverture et la transparence parlementaire, qui est adopté par un ensemble de 76 organisations le 29 août 2012, qui sortit dans 53 pays. Document ça, il y a un ensemble de 44 principes qui assurent pour un parlement démocratique, un parlement qui performe. Moi-même, personnellement, ça c'est opinion PAM, en tant que Rony de Roche, je pensais que moi toujours à défendre, n'est-ce pas, que je respecte les mandats. Ok? Et pour mon président qui a un mandat de 5 ans, je pense qu'il faut qu'il fasse 5 ans normalement. Ok? Moi-même, moi, j'ai même pensé que pour concerner les parlementaires, j'ai doué ça qui était gagné pour finir mon mandat et pour finir. Parce que moi, je crois qu'il faut que les Haïtiens commencent à rentrer dans
discipline démocratique là, il veut dire respecter les mandats, il veut dire préparer ou parce que si je dis à mon équipe qui veut bailler pays à une autre orientation, une orientation vers le progrès, une orientation vers plus de bien-être pour la population, et bien une pile préparation pour groupe ça, pour parti politique ça, pour formation politique ça fait, non seulement en termes de préparation de politique publique, mais en termes de promotion de ces politiques publiques auprès de la population pour aller chercher soutien population pour les élections, pour le vote et ils ont appuyé leur appliquer population. Voilà. Merci avec tout le monde qui était branché pour te attendre des nouvelles informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier pour nous abonner avec chaîne là et toujours songer pour activer petite cloche là. Les nous lagon vidéo pour capable joindre nous, son pas besoin chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons une agréable journée tout le monde, une agréable soirée si c'est matin. Bon matinée.